Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Honkai Impact. Comme d'habitude, avant de commencer, le petit pouce bleu de soutien et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle également que je stream le mardi et le jeudi sur ma chaîne Twitch. Le lien sera dans la description. Le mardi, Honkai Impact, le farming habituel. Royaume élyséen et tout ça, tout ça. Et le jeudi, du jeu d'horreur. Là, en ce moment, je suis sur The Infected. La base est finie. Maintenant, il faut juste survivre à tout ce qui bouge. Voilà. Alors, aujourd'hui, malheureusement, je suis redescendu en Agonie 3. Donc, à chaque fois, de toute façon, ça va être ça. En gros, ça va être le yo-yo jusqu'à ce que j'arrive à bien me débrouiller en Lotus Rouge. Donc bon. Alors, on va aller voir. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a du quantique. Ok. Donc, Tony Tua. Lui. Avec l'arme, ça devrait passer. Là, de toute façon, je vais. Je pense que je vais aller en compo Frost. Pour voir un peu ce que ça donne. De toute façon, le niveau a déjà dû être fait. Voilà. Voilà la composition habituelle. Donc Axor Lapine, je vous rappelle, avec l'arme du chapitre 26, qui à l'utilisation enlève une charge de bouclier. Alors c'est un gros CD. Mais bon. Il suffit de l'utiliser correctement et ça passera tout seul. Voilà. Donc n'hésitez pas, il faut juste faire le chapitre 26, avancer dans l'histoire, faire des points et ça se récupère tout seul. Alors, donc la composition habituelle, le debuffeur, le bourrin. Je verrai si je change de stratégie. Il ne faut pas oublier que nous avons de l'imaginaire avec la nouvelle du Randall. Donc du coup je pourrais très bien modifier un petit peu tout ça. Donc on va voir d'ailleurs le boss de fin c'est quoi? Qualt Revenant. Je me rappelle plus ce qu'il fait. Donc je verrai. On improvisera. Ici pareil. Et ici, ça sera du dégât physique avec du je ne sais pas quoi. C'est peut-être de l'imaginaire. Étant donné qu'on ne voit pas. Ah non, ah, c'est du psy. Excusez-moi. Et du méca. Donc allez, on va voir ce qu'on peut faire. Alors malheureusement, c'est qu'à chaque fois, c'est les mêmes compos que j'utilise, malheureusement. Le stuff, je le fabrique pas. J'aimerais pouvoir le fabriquer, je vous jure. Mais pour le fabriquer, il me faut des composants. Et les composants, ça se trouve au Mirage Universel. Et au Mirage Universel, on n'a pas ce qu'on veut, malheureusement. Je fais de mon mieux. Là, je suis en train de faire un stuff pour je sais plus lequel. Je sais plus, il faudrait que je le revérifie. Alors, bien. Allez, on recalque l'ultime. Bien sûr, hein, si vous avez la nouvelle Durandal, n'hésitez pas. Si vous avez la composition qui va avec, n'hésitez encore moins. C'est un énorme bourrin. Ça passe tout seul avec elle. Allez. Donc là, on y va en mode 2.
Voilà. Allez, on la calme un petit peu avec son cheval, là. Alors, comme d'habitude, les crabes, toujours derrière les piliers. N'oubliez pas. Pas comme ils sont en train de me faire. Ah ben voilà, ils se sont plus tout seuls. Ok, voilà. Les crabes, ils se sont plus tout seuls. Allez, la caméra. Allez, vas-y, charge. Voilà. Ah non, il en manque encore un. Voilà, ça y est. Comme d'habitude, voilà, il s'est brisé les deux boucliers. Et il est en mode fragilité, donc voilà, il prend extrêmement cher. Ça. Alors ici, techniquement, il faut esquiver correctement. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule attaque avec celui-là. C'est l'attaque quand il va dans les airs. Celle-là. Voilà. Donc là, avec l'arme, on pète son premier bouclier. Et ensuite... avec l'esquive de la deuxième attaque, ça passe tout seul. Vous voyez. Je vous rappelle, quand il arrive sur le plateau, vous switchez sur le personnage qui a l'arme. Vous utilisez l'arme. Vous re-switchez sur le... si vous avez un support qui peut booster votre NDPS. Vous attendez qu'il fasse son attaque, donc je vous rappelle, c'est quand il monte dans les airs avec le gros cercle au sol. On esquive, on attaque, vous faites le debuff et vous bourrez, et ça passe tout seul. Maintenant, ça passe vraiment tout seul. Alors, ici... ah ben, j'y étais avec cette compo, ok, pas de problème. Voilà. La compo purement, purement bourrin, comme je vous disais aussi avant. La nouvelle Durandal, Carole, la Hercher de la Sentience. Allez. Allez. Ça passe tout seul. Comme d'habitude, ultime avec Carole. On peut directement switcher. Ça passe tout seul. Là par contre l'autre il est dans les airs. L'autre il est dans les airs, nombre de plus. Il est dans les airs. Allez. Et ça passe tout seul. Hein. Là, voilà, lui brider le bouclier. Et on le prend, on le soulève. Allez, Carole. Vous voyez. Ça passe tranquille. J'aimerais bien qu'à chaque fois que je fais un changement d'arme, ça passe tout seul, s'il vous plaît. Et là, on peut aller, on est déjà au dernier étage, ça va être très vite. Allez, hop. Allez, on fait l'attaque chargée. L'arme ultime. On monte les crits et on ultime. Et normalement, au Waïda,
c'est terminé. Ah non. Il en reste encore. Tout simple. Ah, la nouvelle du Randall, elle fait vraiment clairement le travail. C'est vraiment incroyable. Le DPS qu'elle déploie. Alors bien sûr, si vous n'avez pas la Durandal, venez avec le bon type. Si vous avez du Psy et du Bio, ça passera très bien. Là, malheureusement, j'utilise les personnages qui ont le meilleur stuff. Ceux qui sont moins stuff, je peux pas m'en servir parce qu'ils vont faire clairement moins de dégâts. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le retour de la composition quantique. Est-ce que oui, bonjour Carole, bonjour Durandal. Allez, c'est la fête à Dudu aujourd'hui, hein, c'est c'est le 1er avril. Allez, let's go. Ça va être très très rapide. Allez. Alors, étage. Allez, comme d'habitude. Les mobs, ils font ce qu'ils veulent dans leur coin. Ça y est, ils se sont regroupés. Allez, hop. Ah, pourquoi? Pourquoi on tape pas? On tape en négatif. Bizarre ça. Effectivement, c'était bizarre. Mais l'imaginaire, normalement, il n'y a pas de... C'est bizarre. Ah. Bon, après, hein, c'est... C'est... Ça tape pas contre type, mais bon. Les dégâts sont présents. Hein. Allez, étage 3. Allez, on va même claquer un petit ultime. Voilà, ça passe. Bim. Hop, hop. Le petit ultime, on switch. Et il n'y a plus personne. What the fuck? Ok. Quoi? Pourquoi je suis bloqué là-dedans? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ici. Allez, s'il te plaît, commence pas à faire les mauvais focus. Allez, s'il te plaît, la caméra, ne troll pas. Voilà, on les rapproche. Allez, s'il te plaît, le dernier. Non, allez, s'il te plaît, le... Putain de bordel de merde. Oh, que j'ai horreur quand ça fait ça. Clairement, c'est vraiment un truc qu'il faut que Biolu corrige. Et bien sûr, j'ai plus les bons personnages dans le bon endroit. Du coup, j'ai fait n'importe quoi.
Allez, on va tenter de refaire quelque chose de correct. Allez, on reprend le cycle. Donc. On y retourne normalement. Bim. Voilà, on fait ça. On claque l'ultime. On prend Carole. Attaque chargée. Utilisation de l'arme. Ultime. On switch. Et voilà. Et normalement, il n'y a plus personne. Ici, il y a encore du monde. On achève avec ça. Oui, ça passe. Même en ayant été surpris, en ayant fait un petit peu n'importe quoi, c'est passé. Voilà. Ça passe tout seul. Enfin, ça passe tout seul. J'étais un petit peu déconcentré par le fait que le plan de caméra a complètement changé. Et ça passe. Ça passe du moment où vous avez des personnages solides. Ça passe. Sinon, si vous n'êtes pas sûr de votre DPS, vous avez l'arme, je vous le redirai à chaque fois, mais l'arme est tellement cheatée. L'arme du chapitre 26, l'arme que j'ai équipée sur la Axor Lapine, c'est tellement OP que on ne peut pas ne pas s'en passer. C'est trop cheaté. Allez, le boss de fin. On va voir ce qu'on peut faire. Allez, hop. Ah oui, alors celui-là c'est avec les bouilliches. Alors pour rappel, ouais, il faut prendre des bouilliches, faire une esquive au bon moment, taper. Et bien sûr, il faut faire l'esquive au bon moment, sinon. Voilà, là, comme ça. D'accord, je suis mort. Ok. A few moments later. Allez les amis, 58ème essai. Oui, vous entendez bien, 58. Parce que le boss est bugué à mort. C'est le seul boss sur ce jeu qui est bugué. J'ai beau esquiver avec les bons moments, de temps en temps avec la bouche et la bonne esquive, il se passe rien. Donc voilà, là j'en ai marre. Vous pouvez me dire sur mon visage que j'en ai marre. J'en peux plus. Allez, en espérant que c'est la bonne. En espérant qu'il me lâche. Une bouliche, s'il vous plaît. Allez. Bon. Ah, parce que l'arme n'est pas passée. Allez, mais s'il passe pas encore. Bon, allez, on va tenter. Hein. Allez. Là, ça devrait être bon. Là, ça devrait être bon. Allez, allez, à ce casse toutes les full trip. Full trip pour la France. C'est pas passé, j'ai pas crit. Bon allez, c'est pas grave. Là honnêtement, j'en suis à un point où là je vais finir. J'esquive, il se passe rien.
dégâts. Putain. Allez, je pourrais pas faire mieux là. Il a encore. Mais il a repris son bouclier instant. Il a repris son bouclier instantanément. Bon, j'en peux plus. Non, là j'en peux plus. Je vais pas faire 75 essais. Bon, je vais faire mes 75 essais, mais pas en record. Là, j'en peux plus. Là, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis à deux doigts de jeter ma souris. Je crois que j'ai fait le même score que tout à l'heure. Bon, je verrai. Voilà, alors, quand le boss bug pas, honnêtement, il est super simple. Il a aucune difficulté. La seule difficulté sur ce boss, ça va être le bug. On a la bouliche, on esquive l'attaque au bon moment. Il se passe rien. Pas de perte de bouclier, rien du tout. C'est dégueulasse. C'est le seul boss chez moi qui bug à autant. J'ai jamais vu un boss autant buggé que ça. C'est infernal. Infernal. Bien sûr, je vais continuer jusqu'à ce que je fasse minimum 700. Entre 650 et 700. J'arrêterai pas de farmer tant que j'aurai pas fait ce saut. Et je le mettrai dans le descriptif quand est-ce que j'aurai réussi à le faire. Voilà. Allez, sur ce, de toute façon, le boss, aussi, il est simple, c'est tout bleu. Esquive au bon moment, attaque. Boule bleue, esquive au bon moment, attaque. C'est ça, c'est le seul pattern qu'il y a. Voilà, c'est tout. C'est tout. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!